Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, ô mon sauveur, mon seul sauveur. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Et nous dit bonsoir à nous-mêmes qui écoutons nous sur n'importe plateforme. Nous disons bon Dieu merci pour grâce li amour envers nous, côté li te fait nous passer 4 jours dans semaine nan, sans rien du mal pas arriver nous. Malgré genan nous qui l'hôpital k'ap souffri, mais bon Dieu still kembe nous en vie. N'a di li merci pour ça. Et pour nous débuter le programme nan aswe ya, n'a mande ou capable faire le vide autour de ou même. C'est comme ça ensemble, nous allons chanter dans le numéro 517 pour nous bailler mon Dieu gloire, honneur, lui-même seul, l'immérité. Et nous connaissons lui-même, pas rien nous sommes capables de faire. Ensemble, en nous chanter. Ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, quand cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours. Je chanterai ton grand amour, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour, je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je fais chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, bon berger. J'ai pleuré. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé.
je chanterai ton grand amour. Oh, chantons dans jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tout nos cœurs, et nous dirons de tout nos cœurs, toujours. Chanterons ton grand amour, toujours, toujours. Nous chanterons ton grand N'ap lire psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, vous tous. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Nous mettons à genoux pour nous capables de prier. Papa, nous qui dans le ciel là, gloire, honneur, louange pour vous, qui nous exalté, sanctifié, loué, glorifié des siècles en siècles, en éternité. Nous comptons encore à soi pour nous capables d'en prier où. Dans prier où c'est la vie, c'est la paix. Et vous te permettre de nous passer une très bonne journée en bien. Vous gardez-nous, protégez-nous, prenez soin jaloux de nous. Si nous là dans le ça nous en santé na vivre, c'est pour nous dire béni soit l'Éternel. Nous demandons pardon aux péchés nous yo, nous demandons va entrer en nous-mêmes, débarrasser nous complètement de tout ça qui de tout interdit, sanctifier nous par ta parole est la vérité. Et béni programme pour nous assoir. Béni nous chaque qui là dans l'église là, béni nos internautes qui à la maison qui captant de nous et capable d'adorer ensemble avec nous. On va permettre que moment ça nous pas le passer ensemble capable en bénédiction pour nous chaque. Reste avec nous, nous prions dans le précieux et bon nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Sœurs et frères, ou même qui suivent nous, quand on est à la caillou, encore une fois, nous saluons. Et avant, pour que nous capables d'entendre des messages, nous pouvons assouer, nous chanter ensemble. Allah, nos amis, c'est Jésus. Et nous suivons ensemble, c'est un bel palais cristal. Nous demandons pour vous capables de chanter ensemble avec nous, la côte au courrier. C'est Jésus, tout péché nous s'est chargé. Allons bien fait pour porter, mais bali dans la prière. Combien fois la paix nous perdit. Chagrin on cédé pour lui parce que non pas poté tout bali dans la prière.
Thomas, ou traka n'importe comment. Non, ma couche, j'en décourage. Jésus, là, dans la prière, que les amis nous y capable composition alors que nous allons passer dans la prière d'intercession nous et nous allons chanter ensemble le cri de mon âme s'élève vers toi. Yeah.
Frères et sœurs bien-aimés, vous même qui écoutez nous, quel que soit l'endroit où vous trouvez maintenant, nous demandons pour une position de prière. Alors que nous pourrons prier à haute voix, vous même priez dans le cœur, faites prière, demandez-nous monter vers le trône de la grâce. Adorable Père des cieux, Créateur du ciel et de la terre, à toi, pour nos actions de grâce, nos tribus de louange et de reconnaissance, pour ton amour et ta bonté manifestée envers nous. Merci Seigneur pour 33 jours pour permettre nous de traverser en bien. Merci pendant ces 33 jours des milliers de personnes à travers le monde qui n'ont pas existé encore. Mais nous-mêmes, jusqu'à cette présente minute, bonté vous fait que renouveler envers nous chaque matin. Nous dit que ton Saint-Nom soit loué, béni, exalté d'éternité en éternité. Bénis chacun de nous qui est présent ici dans le temple-là et tout petit tout à travers le monde entier qui est à genoux maintenant, qui a prié dans le cœur. Nous supplions dans ton amour infini pour capable de jeter un regard de pitié et de compassion envers. Quel que soit le problème que vous avez gagné, nous supplions pour intervenir en leur faveur et permettre que le problème soit capable de résoudre. Pardonnez péchez-nous, lavez-nous dans le sang de Jésus et rends-nous plus blancs que la neige. Et en retour, permettre que priez-nous capable de monter devant ton trône de grâce en encens de bonne odeur et retourner sur nous en arrosé de grâce et de bénédiction. Bénis serviteurs qu'on choisit qui pourra le porter pour nous faire méditation dans quelques minutes. Nous supplions dans ton amour infini, on va pardonner, remplir de ton Saint-Esprit afin que l'aile ouvre bouche, nous pas attendre des voiles, mais ces voix par nous va attendre parler avec nous et nous va édifier à ça. Bénis-nous toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous prions non parce que nous gagnons un mérite personnel, mais nous prions à travers les mérites infinis de ton Fils Jésus, à lui seul gloire, honneur et louange, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Chante Alléluia. Alléluia.
Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, nous-mêmes cap tendez-nous et cap gardez-nous un peu partout dans le monde. Nous saluons-nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui fait nous grâce pour que nous capables ensemble à Soya, pour nous adorer en esprit et en vérité, et pour que nous capables parler ensemble de sa parole. C'est une grâce et une faveur imméritée pour que moi-même personnellement capable là à soir et pour parler de la part du Seigneur. Qui suis-je? Un Dieu grand, un Dieu que l'univers pas capable contenir. Cependant, si moi-même, j'ai un privilège pour camper, pour parler au nom de ce grand Dieu. Nous dit, bon Dieu, merci pour ça, pour ce privilège. Nous dit merci pour le souffle de vie que le conserver en nous jusqu'à cette présente minute que nous sommes capables là. Nous disons merci à tout le monde qui a fait préludio pour nous. Bienvenue, psaume, prière et le groupe de chant qui chantait pour nous à la gloire de Dieu. Nos musiciens qui ont frappé des belles notes, Borisia. Nous demandons que bon Dieu soit capable de bénir nous, mes frères, et que nous soyons capables toujours jouer à sa gloire et à son honneur. Et nous pas oublier les technologues qui a travaillé dur pour que nous soyons capables de mettre tout bagaille ensemble pour que nous soyons capables de commencer à soir. Nous disons merci à Pasteur Arbenz, Docteur Arbenz, Pierre-Antoine, qui cède nous cher avec micro aussi pour que nous soyons capables de méditer avec vous à soir. Mais juste avant que nous fassions ça, en nous bandé, bon Dieu, l'assistance divine, l'assistance de son Saint-Esprit, qui pour accompagner nous, et nous-mêmes qui parler, et nous-mêmes qui garder, qui écouter, pour que nous tous nous capables de joindre quelque chose pour nous asseoir. Couper tête légèrement pour une courte prière. Tendre Père des cieux, à toi nos actions de grâce, de gloire, de louange et de reconnaissance pour tout ton amour, ta bonté, ta miséricorde manifestée envers nous. Merci pour le souffle de vie conservé en nous jusqu'à présent. Merci pour la vie, l'être, le mouvement en nous. Alors que nous prenons ouvrir cette parole, nous demandons tant prie qu'on est capable de remplir nous de ton Esprit Saint. Pardonnez péché nous. Et permettre que nous toutes, nous capables de trouver quelque chose pour nous. C'est dans nos petits tout Jésus, que nous prions, qui vivra et demeure au siècle des siècles. À soir, tant fait-nous la guerre, parce que nous commençons un petit peu en retard à cause quelques problèmes que nous techniques que nous t'ai rencontré. Causerie nous assoya a déroulé dans Genèse chapitre 37. Dans Genèse chapitre 37 et nous pas ca lire trop mais n'a lire quelques versets avec vous. On nous commence au verset 23. Prends Bibou, ouvre-le et lis ensemble avec nous. Verset 23.
Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et ils s'assirent ensuite pour manger. Et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrte, qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères le coutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. » « Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré Joseph, a été mise en pièces et il déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Que bon Dieu bénisse cette portion de l'écriture que nous venons de lire pour l'édification commune de nos âmes. Frères et sœurs bien-aimés, le chapitre 37 du livre de Genèse, qui a une belle histoire et en même temps une histoire qui est capable de faire nous pleurer. Au sein d'une famille dysfonctionnelle, moi parle ici à Soya pour me faire connaître l'histoire. Parce que son histoire qui est bien connue, peut-être que vous-même êtes capable de connaître l'histoire mieux que moi-même. Mais en passant à méditer, nous sommes capables de pencher sur quelques phrases, sur quelques noms, sur quelques mots, et pour que nous sommes capables de commenter et méditer ensemble. Je ne sais pas si je n'ai rien de nouvelles que je parle de la Bible.
Mais cependant, la parole de Dieu est toujours nouvelle. À chaque fois qu'on lit, à chaque fois qu'on médite, on est capable de joindre quelque chose de nouvel pour satisfaire notre monde. Non pas ignorer que Jacob, ou bien si nous dit Israël, si toutefois nous dit Jacob, nous dit Israël, c'est de même monde que n'a parlé. Non pas ignorer Joseph qui était petit garçon qui était plus petit dans la famille à l'époque. Yo dit nous que Israël te remet Joseph plus parce que l'autre frère. Et c'est le problème dans le sorti. Et Jacob te fait yon tunique de côté nous le manteau, palto, etc. Chaque côté a un nom différent. De plusieurs couleurs et mettez sur Joseph. Et Joseph commençait à faire une série de songes. Des songes qui passonnaient bien dans les oreilles frère et même dans les oreilles papa. Mais cependant, papa a gagné maturité pour être capable d'absorber son jeu. Et sans doute, il a gagné un connaît que bon bagaille qui pourrait le passer dans la vie Joseph. Et à chaque fois, Joseph racontait son jeu à ses frères, monsieur raillait Joseph. Ils font deuxième songe, ils racontent papa, ils racontent messieurs. Messieurs viennent raïl plus. Alors que Joseph a 17 ans, est toujours avec ses frères, à paître, ou bien à prendre soin, troupeau papa a gagné. Alors que messieurs qui sont plus grands viennent quitter la zone, ils sont partis pour y aller à Sichem. Côté, yo pral mené tout pour yo sans doute, et peut-être zone nan te capable de venir gen sécheresse et manquer nourriture pour tout pour et yo parti y aller à Sichem. C'est alors que, après un nombre de temps, Jacob ou bien Israël patendait nouvelle petit garçon lio et li rele Joseph. Il dit Joseph, vini. Pour me voyer à Sichem, pour que vous voyez frère ou si vous êtes en bon état, et si vous êtes en bonne santé, et si vous êtes aussi en bon état. Et il relaye Joseph, et il voyait Joseph parti à Sichem. Maintenant, frères et sœurs, on nous cause ensemble. Moi j'ai une expérience que moins fait et grand pile nous qui fait aussi mais c'est comme ça gagne monde qui pas fait expérience ça c'est expérience gagne un grand frère dans famille lors gagne un grand frère même si tout petit mais ou toujours vle sans pas bouche grand frère yo pouye c'est ensemble avec yo pouye et lors nan mitan yo ou pas sans tout petit nous ou sans tout gros nèg tout. Parce que si un monde t'a manqué, même menacé, et puis, qui sera dit, je vais parler grand frère, ou bien je vais chercher grand frère pour vous. C'est comme ça que je pense que Joseph t'a senti, alors que les vins ne pas ensemble avec grand frère encore, mais maintenant, il senti seul. Il t'a remis avec vous. Et le Jacob dit Joseph pour le venir la voyer à l'oué frère, moi pense personnellement. C'est une délivrance pour Joseph parce qu'il s'est paré avec ses grands frères depuis longtemps et qu'on y a la gagné possibilité pour le capable à le joindre. Ou pas m'en dire ça qui passe, mais imaginez avec moi. En route des bons à Sichem, lorsque Joseph après aller pour la rencontrer frère à Sichem. Imaginez qui joie qui donne en cœur Joseph. Qui enthousiasme que le gagne. Avec qui empressement que le praler
pour la rencontrer grand frère Lio. C'est alors arrivé à Sichem. Quel désappointement. Joseph pas trouvé monsieur. Maintenant, bon Dieu toujours mettait dans chemin petit lit. Des anges ou bien des hommes qui pour guider petit lit, qui pour aider petit lit à avancer. Rivé à Sichem, Joseph a couru ça et là dans champ, a cherché frère yo. Li pa wè yo. C'est alors il y a un homme qui rencontre elle. Qui m'a dit qui ça qu'on va chercher. Il dit c'est frère yo m'a cherché. Dis-moi qui côté yo yé, y a prend soin trop pour yo. L'homme n'a dit Joseph. Yo pas ici non, yo parti. Parce que m'était tendé y a parlé. Et yo dit c'est à d'autant que yo pralé. Joseph parti pour d'autant. Frères et sœurs bien-aimés, si Joseph te décidé pour retourner la caille, il te ka fait ça, il pas t'a bien tort du tout, parce que papa te voyé à Sichem, il rivé à Sichem, il cherché partout, et il pas jamais wè frère yo avec tout pour. Mais parce qu'elle décidé, et non seulement décidé, mais le dessein de Dieu pour Joseph, il faut que course là continue. Joseph parti de Sichem en route pour Dothan avec même enthousiasme, avec même joie, avec même engouement pour capable retrouver ses frères. Et lorsqu'il l'a privé à Dothan, frère, au fond, coup d'œil de loin, yo aperçu Joseph Kabvini. Yo dit, mais faisait de songe là, Kabvini. Et avant que Joseph était capable de river bon côté, yo était en marre complot. Yo comploté pour que yo capable tout y est Joseph. Et Joseph, pas qu'on est. Et qui t'aime d'où en passant, frères et sœurs. Nous autres, en tant que chrétiens, qui amis de la vérité, le monde a fait complot pour nous. Il a préparé des embûches pour nous. Il a tendu des embuscades pour que nous capables al pri nan yo. Yo décidé pour que yo t'ap tuye l. Mais oui, mais parmi ses frères, te plus ou moins sincère. Li dit on nou pa tuye l, on nou pa koule sang. On nou plutôt al lage l nan citerne ki nan désert là. Et yo koute oui ben y aller yo pranl yo lagel nan citerne. Mais heureusement m va faire un pléonasme, désert là t'es tellement désert right, désert là t'es tellement désert, même en bas plafond citerne pas gen de l'eau. Et c'est pas sans raison que fait le pas de gain de l'eau. C'était le plan de Dieu pour Joseph. Et qu'on y a les Ruben Alder Joseph dans citerne parce que lui suggère citerne parce que lui connaît citerne pas gain de l'eau et à un moment donné l'a retourné pour la retirer Joseph pour le mettre dehors pour le voyer le retourner la caille papale. Et le Ruben rive dans citerne, Joseph pas là. C'est alors que Ruben allait côté frère, il demandait ça qui passé. A pas Joseph pas là. Et moi même qu'on y a qui côté me aller. Frère aussi géré.
pour que vous soyez capable de prendre tunique là. Pour que vous soyez capable de touiller un bouc et plonger tunique là dans le sang et vous voyez le bail papa. Ça a gagné en pile signification. Lorsque finalement, les Joseph rivaient à Dothan, frères et sœurs bien-aimés, première chose que frère Joseph a fait, c'est enlever tunique là sous de Joseph. Imaginez-vous, gagner des pays qui font foi. C'est tunique là qui sous dol, qui pour bal protection, qui pour chauffer. La gueule non citerne, c'est sûr que en doit ça a gagné moustique, gagne tout l'autre insecte qui là pour piquer moun. Et voici Joseph pas gagné tunique là comme protection sous dol, dans mitan yon citerne. Et là, yon fin lage Joseph dans la citerne, yon retire tunique là, yon lage dans la citerne. Au verset 24, au verset 25, pardon, il dit que Monsieur Oshita y a mangé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 frères et sœurs. Si frère, ou lage dans la citerne, non? Sans rad sou li, li capable ap jemi, li capable ap kriye, li capable ap rele au secours, pa gen personne ki pou tande la. Et puis frère Oshita, y ap manje copieusement. Et qui puise, on a le plus loin avec moi, qui puise, si manje ou te chita y ap manje ya, si ce n'est pas maman, monsieur, avec Jacob, qui te bal manger pour le porter pour yo, parce que connaissant maman, ou gen petit tout ko pa ouè pour des temps, et ou ap voye ouè ou konye, et ou connaisse non, yo capable peut-être non désert, yo nan champ, peut-être yo capable grand goût, li pa jam voye Joseph deux mains de pied. Est-ce que vous d'accord avec moi? Li probable que manger que yo ap manger ya, c'est Joseph même qui te pote manger à pour yo, alors que y a mangé Joseph même grand goût tout ou nu en bas plafond citerne. Et alors pendant que Chita y a mangé, yo wè machan Ismaélite yo qui sorti en Galaad kap vini avec chameau chargé provision bagay que yo pral vann, aromat, etc. En Égypte. C'est alors que yo décidé pour que yo capable retirer Joseph nan citerne nan. Et vann ni de préférence. Parce que c'était suggestion de Judas qui dit yo, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang. Allons, en alvanli, à machan Ismaélitio. Nous pas gagner en un si nous tuer, nous cacher sang. Mais de préférence, en nous vanli. Et non, c'est Judas. Est-ce que ça pas dit nous quelque chose? Et yo vann frère yo Amadianit yo Ismaélit yo vann li pour 20 sicles d'argent. Et si nous ta bayon tit à cause de nous assoya, nous ta dit ton frère combien coûte-t-il? Yo vann li pour 20 cycles d'argent.
Frères et sœurs bien-aimés, à l'heure actuelle que nous avons parlé, un cycle d'argent coûte 0,31 $ l'argent des États-Unis. 20 cycles d'argent coûtaient un montant 6,20 $. C'est le prix plutôt de leurs frères. Qui ça 6,20 $ a fait pour eux alors que plusieurs? Ou vendre frère pour un petit crasse l'argent. Mais, dans Proverbe 16, verset 7, il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement, c'est le mot, favorablement à son égard, même ses ennemis. Vend Joseph aux Ismaélites. Est-ce que non, ça n'a pas dit nous quelque chose? Ismaélite, c'est descendant Ismaël, le premier garçon d'Abraham avec la servante Agar égyptienne. Et nous connaissons bien qui tumulte qui te gagne. Qui râlait à l'évini qui te gagne entre Sarah, Agar et Abraham, Ismaël et Isaac, lorsqu'il vient prendre naissance. Ismaël pas été capable de scier cajou avec Isaac. Et c'est avec descendant Ismaël que descendant Isaac yo. Al vann frère à ennemi, propre ennemi yo, l'al vann. Mais si bon Dieu, pas te prêter la main, qui ça que t'es capable de river Joseph? Ennemi yo t'es capable tout exécuter et fini avec lui. D'ailleurs, c'était rêve messieurs même n'a tué pour nous ouais, qui ça rêve lui yo a devenu. Comment rêve li yo ap capable accomplir dans la ville? Là yo prend manteau à tunique là. Yo touye un bouc. Yo plonge l dans sang. Tunique là te gagne plusieurs couleurs. C'est peut-être couleur yo te gon signification. C'est Joseph que bon Dieu pral servir avec pour te permettre que toutes les nations, tout peuple qui était tombé en bas famine à l'époque, c'est Joseph qui t'a pral délivré dans famine ça. En un mot, il est un type de sauveur. C'est lui qui va sauver. Pas bailler la vie éternelle, mais sauver de famine ça, qui était très affreuse à l'époque. Et plonger tunique là, dans sang bouc là, qui coule le vin gagne? Le vin rouge. Et le vin rouge, qui ça nous est là? C'est le sang de Jésus qui pral vini pour sauver l'humanité entière. Et avant même que le peuple Israël là quitte l'Égypte, yo vive baille ça devant yeux. Lorsque l'ange destructeur là t'a passé et l'Éternel ordonné que yo cap touy un agneau et pour yo mettre sang sous l'into tout israélite yo sous l'into kay israélite yo
ou pas imaginer lorsque monsieur Sayo ouais sans ça pas dit quelque chose. C'est sûr, ça dit quelque chose. 20 cycles d'argent, c'est le prix de ton frère. Mes frères et mes sœurs, l'apôtre Paul, dans Galates 2, verset 4, mentionnait des faux frères. Et encore dans 2 Corinthiens 11, verset 26, Paul continuait pour parler de faux frères. Nous gagnons faux frères dans la famille traditionnelle. Dans la famille, côté nous, même papa ou bien même maman. Ou même papa, même maman. Capable de gagner faux frères qui trouvent là. Et qu'en est-il de la famille de Dieu? Nous tous qui partageons la même foi, qui avons étudié ensemble, qui groupé chaque sabbat dans la même église, et nous tous après les yun l'autre frère, sœur. Est-ce que pas gagné un faux frère? Est-ce que pas gagné un faux sœur parmi nous dans l'église? Jésus aussi mentionné dans Matthieu 24, verset 24, il mettait nous en garde contre des faux Christ, contre des faux prophètes. Li mettez-nous en garde de vous. Le sage Salomon aussi, dans Proverbe 19, verset 4, mettez-nous en garde contre les faux amis. Frères et sœurs bien-aimés, gagnez moun ki zanmi nous konyen. Gagnez moun ki frère nous, qui sœur nous, qui chita dans même l'église là avec nous. Pourtant, ce sont déjà des agents de Satan. Moun sa yo pral prétendre que la persécution pral vini, yo pral parti ensemble avec ou yo pral cacher ensemble avec ou. Et dans le but pour que yo capable connaître qui compte au cachet et pour que yo capable al derrière moun pour venir vendre nous. Maintenant, le prix de Joseph c'était 20 cycles. Le prix de Jésus c'était 30 pièces d'argent. Et frère pour là qu'on y a, pour combien on va le vendre? Et ce pour là qu'on y a, pour combien on va le vendre? Qui prie qu'on peut le mettre sur lui pour qu'on soit capable de vendre. Judas Iscariote était parmi les 12 disciples. Là, dans le temps, Judas a gagné en tête pour le vendre là. Jésus. Et à un moment donné, Judas déplacé, quitté les 11 et quitté Jésus et sorti au dehors et l'a là pour retourner, lui retourner avec des soldats romains pour venir arrêter Jésus pour mener dans le tribunal et plus tard qui pral crucifié pour 30 pièces d'argent. Et l'argent malédiction, ça, c'est lui qui cause perdition. Judas. Judas pas pour le royaume ciel là. Et moi-même avec vous, quelle intention que nous gagnons? Est-ce que nous gagnons intention
pour nous vendre frère nous avec ça nous yo pour que ça yo gagne qu'on y a capable de rester dans main nous. Et qui côté qui ça nous pral faire avec l'argent, qui côté nous pral aller avec lui, ni où ni l'argent, nous tout pral aller à la perdition, nous tout pral aller à la destruction si nous fait ça. So I swear, même Jean-Judas n'était pas mis les 12 avec Jésus qui puisait. Jésus lavait pied Judas. Jésus a ministère auprès de Judas. Il fin laver pied, il dit nous tout pas pur. Jésus casse pain, il baille Judas. Il prend coupe là, il baille Judas. Et la fini, il dit yon en nous a trahi. Nous voyons comment Jésus étend la grâce vers Judas pour qu'il soit capable de sauver. Mais il y a parfois, l'esprit au monde déjà fixé, l'autre tête, il y a pour le fond bagay. Et surtout, les gens n'ont pas ambition de l'argent. Ils pas ouais, ils pas attendent. C'est de l'argent. C'est l'argent pour le faire. La pral derrière pour le faire quand même. Mais après ça, qui ça cap venir pour? Assoir. Si toutefois, ou t'es capable, yon nan moun qui pas sincère avec frère, avec sœur. Même gens avec les frères de Judas, de Joseph. Il est encore temps pour capable faire un vol de face. Pour qu'on capable accepter Jésus tout bon dans la vie. Et comme ça, l'aile retourner, ou capable gagner le salut en partage avec les saints de tous les âges pour nous vivre dans le ciel de gloire et de félicité pour 1000 ans. Et après ça, pour retourner sur la terre restaurée, pour vivre durant les âges sans fin de l'éternité. C'est prière pour moi-même, avec ou assoya, que nous toutes qui tendons méditations à assoya, pour que nous capables de compter parmi les sauvés. Que bon Dieu bénisse. Nous remercions tout le monde qui était là, qui t'a assisté nous, qui t'a écouté, qui t'a pris note, et que bon Dieu capable bénir nous et permettre nous capable mettre parole ça en pratique et capable servir nous pour la vie nous. L'heure arrivée, il faut que nous partions. N'a pas invité chantier pour que vous capable venir. Pour yo chanter cantique que nous trouvons dans numéro 38 de notre hymne de louange. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Si bon Dieu avec vous, qui est-ce qui est contre vous? Merci. Qui trace la route.
vois dans ta tendresse. Seigneur éternel, est-ce que tu es avec nous dans le moment de méditation que nous sommes parlé passer ensemble? Merci pour Saint-Esprit qui est à côté de nous, pour te permettre que nous comprenions la parole. Aidez-nous à mettre en pratique. Et comme ça, là, nous n'avons pas gagné le privilège pour nous gagner la Bible dans nous encore, pour nous gagner l'esprit de la prophétie dans nous, pour nous gagner un livre de chant. Pour nous gagner école sabbat dans nous, mais ça que nous t'apprendre aujourd'hui, yo va dans cerveau nous et yo va servir nous pour la vie éternelle. Alors que nous prenons séparer, tout le monde qui était là caillou, qui prend sortir sous devant écran, qui prend fermer ligne téléphone et nous même qui était ici qui prend aller la caillou, nous prend volant machine pour nous mener nous aller en paix et en grâce. Que nuit la capable bonne et profitable pour nous à tous égards. Que sommeil réparateur la capable douce pour nous. Et demain, si Dieu veut, capable réveiller nous avec le souffle de vie en nous encore. Et faire nous grâce pour que nous capables de reprendre l'activité. Pardonnez péché nous puisque nous t'en prions. Au nom de Jésus ton Fils et à toi la gloire, le règne, la puissance dans tous les siècles des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Béni soit l'Éternel.